François Bégaudeau, l'acteur principal d'Entre les Murs, était à Saumur cette semaine pour présenter le film au public. Il est venu en tant que parrain de l'association de cinéma Plein Écran, mais c'est surtout par amitié envers sa présidente. Lise Couédy-Gruet et François Bégaudeau se sont connus au lycée Chevrolier à Angers il y a 15 ans. Elle était documentaliste et lui, jeune enseignant. Lise a toujours suivi de près la carrière de François. C'est quelqu'un qui a une grande envergure intellectuelle, une grande générosité humaine. Et le fait qu'il y ait une reconnaissance de ce type de personne me paraît quelque chose de... Enfin, ça donne confiance. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Entre les Murs a reçu la Palme d'Or en mai dernier à Cannes. Le film nous plonge dans une classe d'un collège parisien. Depuis Cannes et la Palme, la vie de François n'a pas vraiment changé. Il a vécu cette période comme une parenthèse et a très vite repris ses activités d'écrivain, son premier métier. Moi, j'ai continué à faire ce que je fais toujours, c'est-à-dire écrire des livres, écrire des articles, voir des films, écrire dessus. Là, c'est depuis un mois, là, depuis que le film sort, c'est-à-dire les avant-premières plus la sortie d'une semaine, que là, ça me prend un peu plus de temps, les interviews et l'accompagnement en salle. François Bégaudeau compte sur l'effet Palme d'Or pour concrétiser ses autres projets de scénario.